toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors pardon, vous devinez, moi la voix c'est pas la top forme. Rien de grave, je vous rassure, mais j'ai passé une mauvaise nuit. Je l'ai fait en deux parties, mais surtout dans la douleur. C'est ça qui est pas cool. Et je pense que comme j'étais en extérieur hier, je crains avoir inhalé, respiré quelque chose qui s'est bloqué dans mon sinus. J'arrive pas à calmer la douleur. Je dois vous avouer que je me sens moins mal qu'hier soir. Mais le problème, c'est que la douleur persiste alors que je me suis prodigué des soins. Donc, pas cool. Donc, ce matin, pas de webcam. Peut-être que l'après-midi, ça va mieux. Je vous présenterai ma frimousse. Côté pas cool, c'est que voilà, je suis pas présentable. Je me suis planté un morceau de sopalin, pour tout vous avouer, dans le pif, pour absolument éviter que l'air passe dans la narine, sans quoi ça me brûle. Donc je suis pas présentable là. Et je vais absolument couper l'arrivée d'air, on peut le dire littéralement, dans le nez, enfin dans cette narine. Et parce que j'ai vraiment, ça me brûle, c'est horrible. Voilà, bonjour tout le monde. Mais avec un peu de chance, vous me retrouverez après la pause déjeuner. Alors non, je ne vais pas dormir et j'ai déjà la... Attends, faut que je calibre ma manette. Je sais même plus ce que je faisais dans le jeu alors que ça date que d'une semaine. Alors, on démarre en douceur, bonheur, avec Stardew Valley. Merde, c'est l'été. Ah oui, ok. Il faut que je prépare une nouvelle saison. Nous sommes le 1 dans Stardew Valley, donc ça veut dire nouvelle saison qui démarre, nouvelle plantation. Alors, rares, elles existent, mais rares sont les... Oh, un fruit en chien. C'est énorme. C'est le bonus qui a poussé en toute une saison. Quid du fruit ancien. Joli papillon qui m'accompagne. Ah oh my god. Vite la gamelle du chien. Il est où Zeus d'ailleurs? Ouh le chien, t'es où? Tiens, bizarre, il est pas là. Vous avez pas vu Mirza? Papa la pa, oh la 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 la. Je l'avais pas vu Mirza. Papa la pa, oh la 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 la. Pour les plus jeunes qui me regardent, je vous invite à étudier la chanson Vous avez pas vu Mirza. Notre secret de ce jeu. Ah mon dieu, j'avais oublié que j'avais un E.T. d'extraterrestre qui m'avait été déposé dans mon terrain. Bon, attends, ça je vais rien en faire. Je vais arrêter de me perdre dans mon terrain. Je crois que j'ai un fruit, non? J'ai un arbre estival, non? Ah non. Merde, je sais plus. Ah, il était peut-être automnal l'autre. Donc j'aurai rien cette saison. C'est ballot. Bon, moi j'aurai rien à gérer. Oui, tu es le plus beau des chiens, Zeus. Alors, avec la tunasse qu'on a, il va falloir acheter des graines d'été. C'est le coffre jaune, désormais. Ah, alors, j'ai des graines au pifomètre. J'ai... Ouais, ah, tu connais Nayone. Non, elle est trop bien, la chanson, j'adore. Des graines de melon. Oh... Oh, de carambole. C'est énorme. C'est énorme. Le fruit ancien, je sais pas, je vais le ranger là. Le fruit mystérieux. Oh, la note secrète qui me les brise déjà. Enfin, je suis méchant parce qu'en même temps, je suis bien content de les avoir. Mais... Oh la vache, oui, il y a du boulot là. Allez, au boulot, Chamaka! C'est pas tout de se la péter comme une starlette! Tout n'est pas encore automatisé dans la ferme.
Allez, you. Le tour de bras. En même temps, quand je fais le jeu, je suis admiratif parce que je me dis qu'en vrai, j'aurais pas le courage de le faire. C'est trop physique. La 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 la. On va démarrer avec du melon. Les melons. Alors si j'ai le temps d'arroser en fin de journée, je le ferai. Mais là, il va falloir que j'aille voir Pierre dans son magasin. Putain, puis les caramboles, il faut que je distingue, c'est un truc rare. Ouais, je vais le mettre avec le... Ah merde, c'est déjà arrosé. Je suis un idiot. Je vais... Ah oui, j'avais de quoi fabriquer les lampes. Tapis, elles éclairent trop bien de nuit. Faut que je remplace les torches par des lampes. Bonjour Tota. Oh, j'espère que ça va dans l'ensemble. Enfin, vas-y, on se comprend, mon cher Torota, avec tes pauvres soucis là de santé. Ah là là. Magie de Stardew Valley pour oublier les soucis du quotidien. C'est beau. Bon, j'achète 10 melons. Oh, petite tomate. Je vais faire dans la tomate. Oh, myrtille. Continue à produire après la première récolte. Alors ça, c'est intéressant. Wow. Ah oui, le houblon. J'avais dit que je ferais un max de houblon. Obligé. Faire brasseur, ça rapporte à donf. 85, c'est peut-être abusé quand même. Mais pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il va falloir arroser tout ça. Bon, allez. Contre 90. Ah, du blé, ça peut être pas mal. Un peu de blé en bonus. Maïs. Continuer à produire après la première récolte. Ah, ça peut être pas mal du maïs. Ah, puis il y a le tournesol aussi. Waouh. Allez, je me suis ruiné. Merveilleux. On s'est pas perdu. Hein. De toute façon, les récoltes, si je plante pas tout, je garde d'une année à l'autre. On l'a vu avec ma gestion des coffres. Je t'enverrai un MP car là, je touche presque le fond. Ah merde. Ah, mon pauvre Torota. Ah oui, n'hésite pas à m'écrire, je me ferai une joie de te répondre. Oh là 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 là. Bon, j'espère qu'au moins je vais réussir à vous changer les idées. Et non, toi en premier lieu, Torota. Avec l'histoire de Chabrata, la fermière. À ce jeu de trompette. Alors attendez, j'avais les melons, on va faire à la suite dans le melon. Donc on le prend pas le melon. Ouais, ici je vais faire les tomates. Je peux vraiment pas me faire un autre arroseur automatique. Faudrait que je regarde. Je sais déjà plus comment on les fait. Bah, il y a ça déjà. Alors, attends, avant de me plaindre, je vais peut-être préparer le terrain. Alors, le houblon. Oh là 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 là. Comment va gérer le houblon? Le houblon, ça va être sport. Ah oui, merde! Oui, j'avais même pas vu que j'avais mis l'âge du terrain aussi.
Oui, j'ai gagné une torche, oui. Il va falloir que j'envoie l'éclairage aussi, mais encore que l'éclairage, ça reste accessoire. Ah merde, il est... Ouais, oh. Bon, là, je peux mettre les... Ah, c'est très bien que je fasse du tournesol aussi. Ah, j'ai pas fini d'abourrer les champs. Faut que je fasse toute la partie haute. Non, il va falloir que je sache précisément combien je peux en faire parce que... Des arroseurs automatiques, je parle, parce que ça va influencer sur la localisation de la plantation. Ah! Alors, révision de l'artisanat. Bonjour, ange de lumière. Hop là. Ah oui, alors, quartz, fer et or en lingot. Quartz, fer et or. Je crois que c'est l'or qui me fait défaut. Dans mes réserves. Quartz, fer et or. Ah oui, j'ai plus d'or. Merde, je peux pas en faire de nouveau. Je n'ai plus d'or. Ah. Merde, merde, merde et merde. Faut que je compose avec ce que j'ai là. Ah. Oh, qu'est-ce que je fais? Ouais. Tournesol, ouais, ça va être... ça peut rapporter gros le tournesol. Là, je vais d'abord planter le tournesol. Peut-être, ouais, peut-être ce secteur-là. Ouais, voilà. Mélanger avec le maïs, avec le boxon. Ouais, il y a myrtille. Et puis je fais l'houblon à part, mais l'houblon, je vais devoir l'arroser manuellement, quoi. Ouais, en bonus, en rab. Ça va être le bouche-trou, j'allais dire le maïs. Le blé. Ça va être le bouche-trou au niveau des plantations. Alors, le houblon. Oh la vache. Oh là 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 là. Je suis même tenté de délocaliser, couper les arbres. Tant pis pour le... Ouais. Ouais, ça va aller ailleurs. Histoire que je me libère un max de place. Ouais. Le bon arbre, ouais, pour le seigneur, ce sera là. Voilà. C'était l'arbre correspondant, c'était un chêne. Entre guillemets, tout simplement. Merde, la nuit arrive, j'ai toujours pas planté de houblon. Ok, tout va bien. Panique à la Stardew Valley. Non, c'est pas le bon accessoire. Stardew Valley panique. Ouais, quoi que j'ai envie de te dire, la torche, je vais la mettre plutôt au centre. Ouais. Là. Hmm.
Ah, pas facile. Pas facile. Alors attends. Là, tac, 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 tac. En même temps, ce que je fais, j'ai pas l'impression d'être super logique. Ouais. Voilà, je préfère avoir le truc bien posé. Putain, ça va être à sec, ça va être même pas arrosé. Ah, la caca. Au moins la torche va me dire je peux passer et rentrer. Il faut que je fasse un maximum de houblon dans cette affaire. Oh la vache, 22 h. Ça me rend fou de voir un truc mal. Voilà. Le houblon fera ma fortune, nous le savons, par rapport aux épisodes précédents. Le fait de jouer les brasseurs, ça rapporte. Ça rapporte vraiment gros. Oh la vache, on a encore 50 des pieds de... Oh là 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 là. Il m'en reste 27. Merde, il va être minuit. Il faut que j'aille me piéter, il y a des ennemis. Énorme cette première journée. Alors j'ai rien vendu. Bonjour Jean-Benoît. J'espère que vous allez bien les nouveaux arrivants. Je pense à Jean-Benoît et à Ange de Lumière. Alors pause, pardon. Dans cette action frénétique, moi il faut que je boive. Pause. Alors, ouais, hydraté, exactement. Merci, c'est exactement ça. Oui, bah le blé, là, je vais pas en replanter, donc je peux déjà le ranger en attendant. Mais le houblon, oh là 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 là. Ah, du miel. Du miel sauvage. Ouais, j'ai là aussi où je peux... L'arrosage, ça va être la folie. Ça va être la folie. Tant pis, je vais faire gicler la torche. Je vais la décaler, la torche. Elle est pas au bon endroit. Torche qui sera amenée à être remplacée donc par un luminaire électrique qui éclaire beaucoup mieux. Portabilité maximale. Bah, pour ce qui est du monde de Stardew Valley, Jean-Benoît, je trouve que ça tourne bien. J'ai une dynamique économique. Après, si tu me poses la question de manière générale, je diffuse pas ma frimousse en webcam parce que j'ai un sinus en feu. Donc, comme je me suis planté un mouchoir sopalin dans le pif pour que l'air passe pas, je suis pas présentable, j'aurais l'air ridicule. Mais croyez-moi que ça soulage ma douleur. Ah merde, j'avais oublié que j'en avais là aussi. Des arroseurs automatiques. Ah, faut que j'aille vendre des trucs à Pierre et que je rachète encore des graines de houblon. Qu'est-ce que je vais lui vendre à Pierre? Je sais pas ce que je vais en faire du fruit ancien, je vais pas le vendre. Je vais l'étudier. Voilà, j'ai des tomates de luxe. Bah d'ailleurs, les tomates, ça va dans l'été. Ça aussi, d'ailleurs, le blé, ça va dans l'été.
Qu'est-ce que je peux vendre à Pierre pour faire de la tunasse directe? Les grenades? Ouais, je vais vendre des grenades. Non, les piments, c'est l'été aussi. Ah, il va me racheter que du comestible. Oh, je garde les différentes gelées parce que si on me demande une gelée particulière en quête, ce serait bien de l'avoir déjà. Stratégiquement parlant. Chose de l'été. Les myrtilles. Wow. Attends, du miel, j'en ai sûrement en bas de la propriété. Vite que je me. Enfin, que je me manie les fesses. En même temps, il ouvre qu'à. Je me souvenais pas de la. Du truc raton laveur en épouvantail. Mais il me faut absolument de l'or voilà. En minerai. Ouais, le miel va m'aider à. Hop là. Et je vais foncer au village. Mon dieu, j'ai. Oh là là. J'ai planté avec frénésie plein de graines que j'avais sur moi. Je crois me souvenir que j'ai voulu vider mon inventaire. En catastrophe. Des déchets. Oh merde, il y a un gamin, je peux pas. Je peux pas fouiller des poubelles, ça va le choquer, le gosse. Des cailloux à Pierre, c'est plus logique, lol. Oui, oh, ça va, le courage, je l'ai, merci Jean-Benoît. C'est vrai que c'est chiant. Ça a pourri ma nuit de sommeil. Alors attends, que je te vende tout ça. Ah, 700 pour le miel sauvage. Ouais, bah vas-y, vends tout. Et 600 pour. Ouais. Attends, je révise ce que j'ai planté. J'ai un cerisier. Le cerisier, c'est au printemps. Et j'ai planté un grenadier. C'est peut-être en automne. Ouais, donc j'ai rien à récolter durant l'été. C'est pas plus mal. C'est un truc en moins à faire. Et je voulais encore des pieds de houblon. Oh, attends, il y a de la graine de chou rouge aussi. Je pourrais pas tout faire. Oula! Je me ruine en houblon 24, c'est très bien. Merci Pierre, à plus. Sauvegarde, dit Nayonet. Ouais, mais ça sauvegarde chaque jour qui passe. Ça y est, la saison du marble est finie, attendons... Ouais, pour la saison 50, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, je ferai pas les bibis. Alors, sachez que je diffuse jusqu'à 18h aujourd'hui. Je retrouverai Fun Fan qu'en soirée. On est ensemble jusqu'à 18h. Je sais pas ce que je vais faire comme jeu, hein. J'improvise. Vous me connaissez, c'est 100% plaisir. Il est possible que je reprenne mon Dying Light cet après-midi. Alors bonjour Samantha, voici un légume de mon petit jardin. Tu as probablement déjà beaucoup de légumes, mais bon, Caroline. Monsieur Mignon, comme tout, c'est l'intention qui compte. Merci, Caro. C'est ça qui est bon. Ah! J'aurais même pas à planter les choux. Bon, je vais peut-être pas tout planter non plus. Encore que, il y a une averse. Je sais pas s'il y aura des averses. Ouais, mais sinon c'est perdu. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est peut-être abusé. Attends, je vais me calmer. Tant que j'ai pas d'arroseur automatique, je vais me calmer. Attends, je vais ranger le chou-fleur là. Encore que non, je le mettrai dans mon frigo. Ah, peut-être plus malin, je le mets dans mon frigo. Donc arroser. Oui, le chien. Faut que j'arrose ta gamelle. Donc j'aille à la grotte aux champignons mignons. Et là, le... Bah oui, ça me fait suer. Oui, bah tiens, d'ailleurs. Je vais faire comme ça. Surtout qu'il y a le chien qui pourrait me barrer la route. Hop. Allez, maintenant, la ligne supérieure. Et ça va être que ça tous les jours, sauf s'il pleut. Ah non, mais les jours de pluie, c'est... Jour de pluie, normalement, c'est minage. Et dans l'espoir d'avoir de l'or. J'allais dire du fer. De l'or. Et alors ça, c'est arrosé automatiquement, désormais. Ah non, mais le houblon, il faut que je m'en fasse 40 000 tonnes. Parce que ça va faire monter toute l'année.
Ah, d'ailleurs, il y avait la menuisière qui proposait pour pas trop cher un... Bon, là, je suis ruiné, mais... Parce que j'ai réinvesti dans ma nouvelle saison, mais elle proposait un cabanon, un machin. Ce serait, je pense, idéal pour mettre mes fûts dedans. J'en ferai une maison de brasseur. Une distillerie. La maison des brasseurs de Stardew-Valley. Enfin, de Pélicanville, normalement, c'est là où on est. Merde, il n'y a déjà plus d'eau. Excusez-moi, c'était si spontané comme merdôme. Ah, puis il faut que je mémorise. Ah, ça m'arrange, ça. D'avoir que des communs. Enfin, que je mémorise où est-ce que j'ai arrêté d'arroser, parce que... Avoir le coup d'œil pour voir le terrain arrosé du sec, c'est une légère nuance de marron. Ça a le mérite d'être crédible, hein, mais il faut avoir le coup d'œil. Voilà, je m'étais arrêté là. Alors, également, je me tourne vers vous, public, encore que là, vous êtes les fidèles, les habitués. Mais vous comprendrez que je peux vous lire que lors des phases de sauvegarde en fin de journée, début de journée suivante. Parce que le rythme, c'est une course contre le temps effréné. Mais c'est démentiel comme... Bon, le côté chiant mais obligatoire de la gestion, c'est le truc répétitif en boucle. C'est j'arrose 180 parcelles par jour. Bon, je vais passer par au-dessus, là. Pour le coup, là. Oh la vache, il me faut deux arrosoirs. Maintenant, j'en ai plus assez d'un seul. Dur. Ah, c'est pas con, ça. Je pourrais... Attends. Je suis en droit de me faire un deuxième arrosoir. J'y ai pas pensé. Déjà plein. Ça m'éviterait de faire des allers-retours. Mais... à réfléchir, tiens. Bon, c'est cool. On attend les petits oiseaux qui chantent. Wouh! Énorme. Alors, attendez. Réfléchissons. Putain, il est déjà 16 heures dans le jeu. Je vais ranger mes choux. Savez-vous planter les choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. Ouah, c'était quoi ce plat ultra sophistiqué? Un sauté, julienne de légumes sur l'hydri. Miam, ça me donne envie d'en manger en vrai. Oh! Joie. Le vin. Oh. Le pain, le vin. Oh oui! Eh merde! Il faut que j'aille voir les confitures du côté de la carrière à ciel ouvert. Oui, si tu veux, tiens, je l'ai pour une fois. Ah, ça m'a fait du charbon au cadeau. J'ai pas de minerai à faire fondre, moi. Ouais, non, je regarde toujours un symbolique. Ah, si, je peux faire fondre un peu ça. Mais... Dissidence. Ouais, c'est par 5. C'est par 5. Oh, il faudrait que je fasse un cadeau au sorcier, il va être heureux. Monsieur le sorcier de mes deux. Je vais lui offrir son essence du vide, il va être en joie, l'autre. Voilà, ça va être la petite promenade du moment. Après, il faut que je fonce. Attends, je vais te lire, cousin, je vois que tu m'écris. Ah oui, non, tu écris aux autres. Tu fais bien. Ah, Jean-Benoît, par contre, tu m'as écrit quelque chose de long. Alors, je... Arroser, c'est bien, mais pluie, c'est mieux. Command Conquer Général, oui, tu as raison, on pourrait faire un essai. C'est marrant, j'y ai pensé ce matin en me levant. Figure-toi, au Command Conquer Général. Pour faire des scènes, il y en a exact. Attends, Jean-Benoît qui me disait... En même temps, je suis concentré à esquiver dans la course de Samantha les herbes folles. Bleh. Monsieur le chercher foufou, what vow. J'adore, elle est trop fleurie sa tour l'été. Voilà, c'est imprégné. Oh, c'est l'amour fou, là, il a le cœur qui bat en rouge. Attends, on est à quel niveau avec le sorcier au niveau social? Oh là 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 là. Revenez dans trois cœurs, ça devient indécent quand je me présente à lui. Il va me malabouter, monsieur le chalutier.
va faire des potions pour soigner la molfou entre lui et moi. Bon, je rigole, mais attends, Jean-Benoît, il faut que je te lise. Je vis dans une rue où il y a une distillerie. Oh, il faut un peu de goutte, mais somme. C'est souvent utilisé comme maison de la chasse. Lol, je fais ça, là, que je suis mort de rire. Non, mais c'est sympa. C'est, moi, j'estime que c'est des... Enfin, ça ne tient qu'à mon jugement. Mais ça, c'est des bâtiments préservés. C'est... Puis heureusement qu'on a encore des hommes qui maîtrisent ces techniques. Je trouve que c'est primordial, et puis c'est ancestral, oui. J'espère que j'ai bien réparti. Regardez, je courais dans, dans les champs. On me dit, j'espère que j'ai bien réparti les épouvantails. Non, si je vais pas en mettre un là, là le raton laveur. De collection. Il est où le raton laveur de collection? Viens par ici. Oh merde, il y a un ennemi qui se promène, c'est honteux. Va mourir. C'est le loustic de la nuit dernière qui est pas mort. Bon, il faut que je file à la carrière à ciel ouvert. Parce que d'une, déjà, j'aurai des cailloux à casser. Et de deux, j'ai sûrement les confitures à récolter. Il faut que je me manifeste, c'est déjà 20h. Oh là 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 là. Ce jeu de fou. Ah, quand c'est le fiston, c'est terrible, Torota. Ah là là, force et courage à vous. Alors, la carrière. Oui! Il est délicieux. Délicieuse confiture. Alors, tout. Hop là, voilà, là je vais pouvoir les vendre direct. Je les vends direct. Ça fait de la thunasse. C'est un champ de cailloux ici, c'est fou. La magie stack double. Bon, ça va, il n'y a pas tant de cailloux que ça. Je pourrais presque d'ailleurs faire des seigneurs pour les arbres qui sont ici. Ce serait pas idiot. Ce serait pas idiot parce que ça demande moins d'entretien vu leur localisation. C'est où le... Ah, c'est là la recette. J'ai appris à faire des trucs, faut que je révise. Lingot de cuivre. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Les lingots de cuivre. Est-ce que j'en ai beaucoup? Je crois pas. Je suis en train d'en faire. Ah si, j'en ai quelques-uns quand même. Ah, intéressant. Du coup. Ah, j'en fais 4. Et je vais les équiper tout de suite au niveau de la carrière. Je fais l'aller-retour. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Je vais avoir juste le temps, mais alors le sprint là pour Samantha. Vous remarquez, je pourrais mettre. Et je suis bête, je peux les mettre ici aussi. Ah oui, attendez. Je viens pas souvent ici, mais je ferais bien de les mettre là. Le problème, c'est que c'est qu'ils ont tous les mêmes arbres. Voilà, là, il y a un chêne. Ça se distingue. Ah, j'aurais aimé avoir un autre chêne. Merde. Je vais quand même aller. Ou alors là. Ah non, j'ai pas le droit, c'est un arbre de décor. Alors celui-là, il est planté au centre, c'est pas forcément une aubaine. Tiens, celui-là, il est à l'angle, il me plaît bien. Allez hop. Comme ça, quand j'ai le coup d'œil, je récolte la sève et c'est tout bénef. Round habilité. Oh merde, j'ai oublié de remettre des fruits dans le... Ouah, mais quel abruti. Heureusement que je reviens, moi. J'allais omettre de mettre des fruits dans le... Dans les... dans les tonneaux.
ouf. Vite, il va être midnight, il va être minuit. Courons vite. Courons vite vers le lit. La 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 la. Ça éclaire trop bien les lampes. C'est énorme. Oh, attends, j'ai pas regardé la télé. C'est idiot parce que je peux louper des recettes. Alors, génial. Il n'y a pas de recette. Alors, demain, merde. À quand la pluie? Quand? Oh oui, c'est bon ça. Alors, je bois un coup, excusez-moi. Oui, grâce à Dayonet qui m'a dit réhydrater le sage tout à l'heure, je vois avec mon neurodatage qu'il y a quasiment... Merde, les mauvaises herbes se préparent. Merde, faut que je joue de la faux. Je bois toutes les 20 minutes en gros, donc ça correspond en temps réel à une journée de Stardew Valley. 20 minutes temps réel. Voilà, vous voyez la sève. Ah, sirop d'érable. C'est énorme. Alors... Attendez, on va faire les champignons. Et il faut que je gère la mauvaise herbe. Il faut surtout pas que je néglige l'histoire de la mauvaise herbe. Ma fou, elle est là. Où est-ce qu'il y a de la mauvaise herbe qui se propage, vous, Dudu? Ah, il y a mon chien adorable. Oui, là, j'ai le bac de vente. Oui, bon, j'en ai un peu là, mais ça va, là. C'est encore un terrain vierge. Et vous imaginez le boxon quand ce sera organisé avec des trucs automatisés sur toute la surface? Bon, arrivera des bâtiments hein, pour les animaux. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. On verra ça dans un futur assez lointain, dans Stardew Valley. Mais ça promet d'être plus passionnant que les feux de l'amour. C'est fou, quand même. Après tout, c'est ce pigeon. Oula, oui, alors là, la mauvaise herbe, ça aussi. Ça m'a bousillé le chemin, c'est pour ça que j'ai eu le message. Ça m'a bousillé le chemin. Merde, non, c'est même pas comme ça le chemin. Je suis en train de labourer comme un igloo, moi. Bon, bref. Ah, il y avait une grenouille. Alors ça arrosait automatiquement, pas ça. Ah oui, puis il faut que je gère... Oh là là. Au secours, il y a trop de choses à faire. Je vais ranger les champignons là. Parce que je t'arrête le poteur. Alors attendez, ça va plus là parce que j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Merde, il y a l'herbe aussi. Qu'il faut que je range. Hop là, ça me fait un lingot bonus. Le courrier. J'ai trouvé des pierres de bonne qualité. Peut-être t'en servir à quelque chose, t'en servir pour autre chose, Georges. Georges, c'est le forgeron, je crois. Je sais plus. Bref. C'est toujours ça de prix. Merde, il faut que je mette des fruits dans les. Ah! Ah bah voilà, tiens, le raisin rejoint le raisin. Le raisin rejoint le raisin. On va faire du vin. Allez, faut que ça fermente. Fermentation maximale. Ça y est, c'est bon. Comment ça, Nayonet? C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Balam, balam. La 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 la. Oula. Bon, attends que je suis de passage près de l'eau, autant faire le plein de l'arrosoir. Ouais, alors là c'est en auto, là c'est pas du tout en auto.
Ah! J'ai fini les missions de cette fameuse fête des amoureux dans World of Track. Ah! Non seulement ils avaient fait un événement camion en lien avec les fêtes de fin d'année, mais en plus ils faisaient un événement Saint-Valentin. Eh ben dis donc, tu me l'apprends. Bonjour Adjay! La 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 la. La 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 la. Ouais, c'est pas mal comme ça. Il faudrait que j'organise les rangées de houblon par paire. Parce que de faire le haut-bas, c'est vachement bien. Non, ce n'est pas le code Konami. Je suis en train de reciter. Oh mon dieu, j'ai oublié l'existence de ce code. La 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 la. Merde! C'est vide. Et c'est vrai que je comprends l'intérêt du puits proposé par Robin dans l'installation, parce que ça t'évite de courir, de faire un aller-retour et d'avoir un puits bien placé là où c'est bien sec sur ton terrain. Tu gagnes un temps monstrueux. Et là, je sais plus où je m'étais arrêté. Je crois que je m'étais arrêté là. Oui, bien sûr, arrose le chemin, Nunuche. Là c'est arrosé. J'ai arrosé ça. Pas mal. Je trouve que je m'en sors bien. Ça me laisse un peu de temps pour gérer mon terrain. C'est pas pour me déplaire, croyez-moi. Ouais, non, lui je peux le laisser. Ouais, plus tard je mettrai un seigneur aussi, lui. C'est pas mal les arbres qui sont vraiment le long de. Au bord de la flotte. Mercredi, Pierre, le vendeur, je sais qu'il est fermé. Donc j'aurais rien à acheter. Alors taillons les arbres. Oh, j'allais dire, est-ce que je me risque de manger du raisin? Ah, faut vraiment entretenir le terrain. Ouais, organisez-vous les garçons pour les copains pour Command & Conquer. On improvisera dans l'après-midi. Je serai dispo cet après-midi jusqu'à 18h, donc je vous donne raison. On va essayer de faire du Command & Conquer. Oh, ils sont beaux les papillons. C'est d'une poésie d'avoir mis de manière aléatoire des ici et là des papillons, entre autres choses. C'est génial. C'est une ode à la vie, ce jeu. Mais vraiment. Attention, le bac de vente. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? C'est un gentil chien, c'est bien. Pas mal aussi les arbres plantés derrière. Ah bah tiens, il faudrait que je replante un. Merde, j'ai pas de gland. Ça aurait été extra que je replante un chêne aussi. Ah ouais, je serais tenté, tiens. Si à l'occasion j'ai un gland, je vais le planter ici. Oh merde, encore une note secrète. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai pas encore lu une note secrète de la semaine. Je vais peut-être lire celle-là, on va voir. Bonjour Christella. La 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 la. Ah oui, oh mon dieu. Ah oui, attends, il y avait un truc avec les ignas, les fleurs bleues.
Je sais plus ce que c'était, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Oula. Oulala. Gérant, j'ai envie de vous répondre là. Ouais. Alors, un petit gland. Non, j'ai dit un petit gland. Merde, je ne sais plus jouer. Tout va bien. Les poids de senteur, je vais les ranger. Oui, j'en ai marre de les avoir sur moi. Non, pas gland. Ah. Allez, on va lire la note secrète. Ouais. Si j'y parviens. Comment je la lis? Comme ça, je crois. Alors, écrit de la main de Léa. Ah! Mon idée d'un dîner parfait serait une salade, du fromage de chèvre, des truffes et du vin. Oh là là, oh les bobos, oh les bourgeois bohèmes. Mon Dieu. En dessert, je voudrais un muffin aux graines de pavot, miam. Si quelqu'un m'offrait l'une de ces petites douceurs, je fondrais littéralement. Eh ben c'est bien, on a les clés pour séduire Léa. Ça finira bien par arriver. Oh la vache. Alors le vin, ça va. Léa, il faut que je retienne que je peux lui offrir déjà du vin. Alors fromage de chèvre, des truffes, donc mais ça va. Ah. Pardon. Voilà, je viens d'éternuer horriblement. Alors, je reste sur cet écran. Excusez-moi, je vais me moucher parce que là, j'ai ouch. Bon, ma technique est pas mauvaise. Voilà, alors, hop, on continue. Oui, alors, je voulais planter le chêne derrière la base baraque en ruine. Je me demande si c'est pas lié à l'histoire du grand-père, le... Tiens, est-ce que je peux provoquer l'accélération de la... Non. Mais j'ai jamais encore venu à l'idée d'arroser les graines d'arbres, mais ça compte pas. Est-ce qu'il y a des fruits sauvages au niveau des buissons? Faut vérifier ça. Oula. Oh, du charbon. Ouais, il y a des petits trucs à récolter, mais c'est pas encore une semaine où il y a... Normalement, il y a les murs dans les buissons en été. Mais c'est encore trop tôt, je crois, dans la saison. Ce sera peut-être la semaine suivante. Oh! Oh la vache! Oh, les mauvaises herbes à côté de la gare! Oh là 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 là. Ouais, c'est bien, on a le compteur de... On a la valeur précise de la fatigue. Oh, il y avait un champ d'oiseaux. Eh, je suis en train de me dire, ici il y a des fleurs, si je dépose une ruche, j'aurai un miel de meilleure qualité.
J'aurai le miel parfumé alors que je fais que du miel sauvage en ce moment. Je pense qu'il faille mettre les ruches ici. Ah oui, je peux planter des arbres contre les... Tous les sapins vont pas pousser, mais ça me fait rigoler. Il n'est pas là, Linus. Que je lui offre un truc. Ah, tiens, cadeau. Tiens, cadeau formidable, merci. Je vais me méfier des étrangers, la plupart des gens n'aiment pas les, entre guillemets, sauvages. Ouais. Là. Oh là 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 là. Ouais, c'est plus dans ce secteur-là que j'aurais dû mettre mes ruches, j'ai l'impression. Ah oui, là, là, il y a plein de fleurs, même au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je délocalise mes ruches. Attends, je vais garder l'épée en main parce que, voilà, c'est la soirée des monstres. Ouais, je vais délocaliser les ruches. Pourtant, il y a des fleurs là, c'est ça qui me rend fou. Ouais, je sais pas. Bizarre. Pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Regarde, si je les mets là, les ruches. J'en mine là, je t'en mine là. Ouais, j'en mets une planquée là-bas. Oula, il y a, une telle végétation que j'arrive plus à m'en sortir, moi. Ouais, je sais pas, je vais essayer, je vais en mettre là, on va voir. Bon, j'aurai plein d'arbres à couper ici. Le mode bûcheron, ce sera ici, hein, pour le prochain épisode H en main. Oh non, mais allez vous faire en papaouté. Ah merde, il est déjà minuit en plus. Oh là 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 là. Ah ouais. Oui, la richesse du vin. Alors, je vais honteusement d'abord regarder la télé, parce que je vais louper. Voilà, je vais louper des émissions, je le sens. Quoi? Attends, mais j'ai zappé. Mais c'est dégueulasse! Mais vous avez vu? Les missions, ils font grève. C'est un scandale. Non. Vivre à la ferme, blablabla, vous regardez Vivre à la ferme, écoutez bien, et hop, y a rien. C'est dégueulasse. C'est un scandale. Bon, la météo de demain, il fera beau. Merde, hein, il faut vraiment que je joue de l'arrosoir. C'est une honte. Service public. Hop, merde, je voulais que ça aille dans l'autre, c'est pas grave. Ah oui, non, j'ai pas là de déplacer le truc, mais non, tant pis. Ah oui, j'ai 6 graines au pifomètre à mettre, mais bof. Ah, c'est bon ça, de la résine de chêne. C'est très très bon. Alors, arrosage. Je vais démarrer par ici.
Je pense qu'on va enchaîner 2 semaines d'affilée hein, de Stardew Valley. Là, je vais vous faire un épisode double parce que c'est le jeu est trop extra. Ah, faut que je mette du vin, allez. Hein. La bonne astuce. Oh, est-ce qu'on aura un jour de pluie déjà cette semaine pour aller miner? Alors hop, je vais remplir le... Ah merdoum! Rangée supérieure. Hop là, et voilà la gamelle du chien. On fonce dans la grotte aux champignons. Il y a des chiens de voilà. Non, il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours le truc là, je regarde rapidement sur le terrain, mais visiblement il n'y a rien de nouveau. Ah, il y a des herbes folles. Ouais. Bon, arrosage, c'est déjà fait, c'est cool. On va passer par la carrière une nouvelle fois. Ah sympa ça, ça fait plaisir. Oh, est-ce que je passe chez Pierre acheter des trucs? Oui, non. Oh bien, nouveau bouquin. Il va falloir que j'y retourne à la bibliothèque, ça fait longtemps que j'ai pas lu un bouquin, c'est vrai. Attends, dans les fruits. Ah, si je mettais un peu de raisin ici. Oh non, il y a tellement de fruits à faire que non. Faut arrêter la déconnade. Alors, arrêt de bus. Alors, c'est bien, j'ai du minerai à faire fondre, ça va me faire un lingot. Il y a juste le nombre, qui est 5 fragments. Hop là! Comme on dit, c'est pas perdu. Ah, on va aller à la mine. Allez, soyons fous. Allons à la mine. Attends. J'ai mal vu ou... Ah non, j'avais mal vu. Et vous savez que je suis dans le doute. On est d'accord, hein, j'ai arrosé. Ouais. J'arrive à me mettre dans le doute, ça fait peur. Que quoi, cousin qui s'éclame assez jeune, je vous jure. Des problèmes de tout, de quoi? Ah oui, ah oui, ce sera intéressant que tu nous en parles ce soir, Perota. Le nom dit quelque chose. Ah merde. Ah oui, je comprends ton tracas. Bon allez, je prends le risque d'aller dans les grottes des ténèbres, mais j'ai une probabilité plus élevée d'avoir de l'or.
Voilà, de la demi-heure de café. C'est bizarre comme grotte, il y a des végétaux sur les côtés. Oh merde! J'arrête de me faire toucher, moi. Ah ah! Une bombe. Attends, ça dépend. Est-ce qu'il y a une grande, grande... Ah ah ah! Je vais peut-être faire usage de la bombe, là. Ouais, c'est sympa. Il n'y a pas une plus grande étendue, parce que la bombe fait vraiment beaucoup de... Oh merde! Il est pas petit, lui. Oh vache! Oh vache! Ouais, je vais peut-être utiliser la bombe dans le niveau inférieur. A mes risques et périls diront certains. Bon, c'est bien, pour me barrer, j'ai l'embarras du choix là, alors que j'ai pas fini de piocher. Je veux récolter un maximum de rochers dans l'espoir d'avoir un petit peu d'or et pouvoir refaire des arrosages automatiques. Car ça assurera pour moi du fric. C'est ça en fait la chanson qu'ils font. Les paroles de l'air qu'on entend avec l'accordéon frénétique. Je vais vous improviser les paroles. Voilà, un petit peu d'or. Bon, il en faut 5 pour avoir un lingot, mais. On ne perd pas espoir. Attendez, je vais descendre avec l'épée en main parce que. Oh! Joie. En même temps, il n'y en a pas tant que ça. Oh, les salopards. Attendez. Placement de bombe. Placement stratégique de bombe. Oula. Oh non! Je vais avoir 14 milliards de chauves-souris. Oh, mais j'ai déjà parchemin des nains. Par contre, il y a de l'or ici. Faut que je survive parce que j'ai de l'or. Ah, c'est bien, je peux déjà évacuer au sous-sol inférieur. Oula, elle est au bord de l'épuisement, la miss. Oh là là, oh là là. Merde! Ouf, c'est passé. Mange un truc, Samantha, parce que là, c'est la violence. La violence de Samantha. Il y a un peu de chat. Le puff est une cigarette électronique destinée aux ados. Ouais, si je vois ça, fait des dégâts sur mon pif, je crois que je risque d'aller loin. Ouais, ouais, alors là, ouais, non, mais je comprends ton... Ouais, t'as vraiment la poisse en ce moment, mon pauvre Tarota. On est de tout cœur avec toi, bien évidemment, tu le sais. Oh là là là. Oh! Vous avez vu le champignon? C'est celui que je peux récolter dans la grotte, là. C'est le violet, il est vachement... Oh, qualité or, en plus! Il est collector, ce champignon mignon. Il est collector! Bon, je vais faire usage de ma bombe ou pas, là? Que je fasse mon petit terroriste. Oh, il y a des choses trop précieuses. La, 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 la. Ça va être trop classe en vrai de faire de la spéléo et de récolter à main nue de la... Ce jar de pierre magnifique. Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Il va falloir que je me sépare de ma bombe et que je me sépare de la chauve-souris là. Hein? Que je me déchire en deux. Merde, elle est pas venue me toucher, c'est un scandale. Ah, j'ai deux bombes en plus. Wouah! J'ai le festival des... Non, mais allez vous faire en papa outé. Oh là 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 là. Ah, ça se laboure! Putain, il faut que je pose une bombe pour me rendre compte qu'on peut labourer le terrain là. Je savais pas, moi.
quand on n'a que du labour à faire toute la journée. Ah! Ah! Vilaine bête, allez mourir! Mais non, mais arrêtez avec les échelles! J'ai des échelles partout! Non, mais j'en ai 5 pour passer en bas! C'est n'importe quoi ce jeu! C'est un scandale! Ah merde, c'est ballot! Wow. Non, c'est du gâchis. C'est du gâchis, c'est du gâchis. Tant pis, je fais le... En fait, ce que je vais faire, vu l'heure, je vais garder la bombe pour le niveau inférieur. Je vais poser la bombe, me barrer, récolter vite les trucs et me barrer pour de bon de la mine, vous voyez. Le hold-up le plus rapide au monde, en quelque sorte. Le hold-up minier. Attends, il n'y a pas un truc que je peux manger isolé et... Au pire, je peux jeter la fibre, parce que... Alors, je sais pas si c'est... Je crois que ça se revend quand même, les machins-là. Les parchemins, là, les artefacts. Oh, minerai de fer, trop bien. Là, 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 li, 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 li. Surface là. Ah bah mais alors. Je viens d'apprendre un truc. Je viens d'apprendre un truc. Merde, elle est au bord de l'épuisement. Ah. Il faut que tu te dopes un peu ma petite. La 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 la. Oh non, ça va pas recommencer. Ils vont pas me refaire une vague de... Allez hop, je me barre, je m'en fous, j'ai... Oh. Oh. Alors, mon attentat, c'était un truc dans le genre là. Ah. Oh, j'étais juste à la limite de la bombe. Trop bien. La 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 la. C'est quoi ça? Oh, y a des trucs, c'est trop mystérieux. Oh, il est 23h, faut que je rentre. Je me fais des cailloux là et je me barre. Non, les chauves-souris, vous ne m'aurez pas. Non. Allez, où on quitte la mine. Merde, ah, c'est vrai que j'ai pas fait la causette au nain. J'ai pas fait la causette au nain. C'est cool. Ah oui, je vais me faire 3 lingots d'or. J'avais pas vu mon butin du jour. Ah oui. Je dis oui. Je dis... ouch, ça se range pas là, ça. Error. Ouais, je peux mettre ça là. Ouais, ça j'en ai pas assez. Ouais, je vais garder l'or sur moi parce que le temps de le faire fondre, ça va être vite rentabilisé en arroseur automatique. C'est obligé. Pourquoi je garde le raisin sur moi? Pourquoi je l'ai pas rangé et que j'ai libéré une case de mon inventaire, le niveau que je suis? Vous du duo. Alors que du vin vient de... d'apparaître. Donc je peux reprendre le raisin que je viens de déposer. Tout va bien. Le jeu se fout de ma... Hein, bon. Ah, attends. Est-ce qu'il n'y a pas du... Si. Non. Mange pas ton raisin. Ah, merde. Et puis je suis en retard pour le dodo. Il y a encore l'individu qui veut me proposer un crédit, c'est scandaleux, il me harcèle même la nuit dans mon terrain. Mais
Ah non, champignons, oui, non, je vais pas faire fermenter les champignons, là, ça va. Ça va pas donner un truc conventionnel, je crois. Ah, je vais me faire tuer au niveau du sommeil. Vite. Vite. Bonjour, Cocosi. Ça va, j'ai pas une grande pénalité d'énergie. Alors, demain, dis-moi qu'il pleut demain. Non mais c'est pas possible, c'est une semaine où il fait beau tout le temps. Ça ne m'arrange pas, moi. Ça me donne trop de boulot. J'aurais dû vider mes poches. J'aurais dû vider mes poches. Voilà, tant pis, je me mets notre secrète là. C'est d'un débile ce truc. Voilà. Allez, symboliquement, je pose déjà un... Je me fabrique un arroseur automatique. Ah oui. Ah, la joie. Et quoi, en iridium? Attends, 24? Oh, il faut la pile, l'iridium, je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être qu'un jour viendra, j'aurai le luxe ultime d'avoir des arroseurs en iridium. Mais ceux-là, déjà, de qualité, ils sont trop bien. J'adore. J'adore. Ah bah non, je peux pas récolter, que je suis bête si je le mets là. Ça va pas. Oui, doucement le chien. Arrête de faire mumuse avec les pieds de ligne, s'il te plaît. Non mais je vais lui mettre mon pied dans le derrière. On n'écoute pas. Oui. Voilà, ça c'est un bon emplacement. C'est un bon emplacement. Merde. Alors l'eau, ça va pas aller loin. Ah, il va y avoir des investissements. Moi, je retiens. Il va y avoir des investissements à l'hiver prochain. C'est toujours en hiver qu'on fait des investissements de matos, etc. Dans Stardew Valley. Dans un... Attends, j'ai arrosé au-dessus ou pas? Merde, j'ai mis dans le doute le jeu. De cabanons, de... Enfin, d'installations agricoles, de matos... En tout genre. Oh là là, quand je vais récolter le houblon à tour de bras, mais ça va être une fête. La fête de la bière. Merdoum! Ah, oh, je voulais remplir l'arrosoir, Nunuche. Ça y est, j'ai déjà pu. J'ai fait des champignons pour. Non. Ah, une morille. Qui va finir dans le frigo. Je vais en faire une plat. Tiens, d'ailleurs, hop, une fois n'est pas coutume, je vais manger la chanterelle toute fraîche. Très bien, ça m'a parfaitement dopé. Merde, je sais plus. Ah non, j'avais pas arrosé ici. Merde, il faut que je le fasse. J'ai bien fait de vérifier, j'ai failli laisser à sec ces pieds de houblon. Allez, productivité maximale. On en veut être donc. La 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 la.
Alors, donner du vin à Léa. Bah tiens, je vais aller faire une petite tournée de voir les membres de la... J'ai l'air de la famille, oui, c'est un peu ça. De la... du village et leur faire des cadeaux. En d'autres termes, je vais essayer de me les mettre dans les poches. Essence du vide pour monsieur le sorcier tout fou. Je crois que je suis dire pas mal de monde avec du vin. Est-ce que je peux faire un plat sophistiqué? Attendez voir que j'aille en cuisine rapidement. Galette de pommes de terre. Non, j'ai que deux pommes de terre. Champignons communs, mori, huile. Ah, les fameux champignons fruits. Oui, je peux peut-être... Oh, oh là, hey, je peux faire pas mal de trucs. Salade de radis, mais j'ai deux radis. Oh la vache, l'énergie que ça a. Ça me fait penser qu'en vrai, j'ai acheté une salade. Il faut que je pense à la préparer ce week-end, tant qu'elle est encore fraîche. Je me suis acheté des feuilles de chêne. Ah, peut-être comme dans Borderlands, je me souviens plus, Nayone, ouais. Au niveau de la matière précieuse, du lingot. Alors, le sauté, ouais, j'en avais, mais il faut des cartes des cavernes. Mais la vache, ça te refait un homme quand on voit les stats. Hamburger de cheval. Attends, il faut des cartes de cavernes tout le temps. Oh là là, il y a trop de recettes basées sur les cartes des cavernes. Et oh, c'est un truc rare, arrêtez. Si j'arrive à cultiver des carottes des cavernes, ce sera un miracle. Je crois pas que ça puisse se faire, malheureusement. C'est quelque chose de savage. Artichaut, lait. Oh la vache. Des artichauts, j'adore manger en vrai en plus. Pudding aux prunes. Waouh, c'est pas de mal avec que je veux faire des puddings. Oh là là, de la mayo dans... Ah, bon, mon canneberge, il faudra que j'essaye. Il faut que j'achète un pommier. Les canneberges, je peux les avoir. Ouais, mais ça bouffe du sucre. Mais bon, ça dope bien. Ça dope bien. Merdou, j'avais dit que je faisais, mais... Oh attends, j'en avais... Ah, tiens, j'ai même du pain. Eh, c'est pas con d'offrir du... Ah bah ouais, mais non, mais c'est vrai, ouais, ça fait partie de mes ingrédients en même temps. C'est un peu ballot. Bali ballot. C'est quoi, ça? Joli de mur. Baie de saumon. Oh. J'en fais rien dans le frigo des baies de saumon. Je les mets à fermenter. Oh non, les sautés, je me les garde pour moi. Ouais. Oh, la puissance de ce plat. Ah, il y a les cookies de la grand-mère. C'est vrai qu'elle me les avait donnés. C'est pratique, ça. Alors, Migeshka. Oui, merci, Torota. Merci pour le lurk. Merci pour les soutiens, comme on dit. Allez, je vais faire 3 plats de champignons frits. Si avec ça, ils sont pas contents, les habitants du village. Ce sera ma main dans leur gueule. Oui, ça parle mal. Ouais, non, c'est pour les confitures. Bon, allez, je vais voir monsieur le sorcier. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas de fruits sur les buissons sauvages. Ah bah, déjà il y a des... Voilà. Des pois de chanteur. Il y a des lapinous. Mais je n'en ferai... Oh, il y a l'escroc ambulant. Tulip à 1000, anima orangé à 5000. Ah, tiens, il en vend. 400. Oh la vache. Putain, mais c'est abusé. Oh, un ardillon. Assure votre prise pendant que la jauge de pêche reste accrochée à votre prise. Fonctionne mieux sur les poissons lents et faibles. Putain, c'est intéressant ça. Mais en même temps, je suis pas allé voir Willy le, qui vend du matos de pêche. Oh, encore une graine rare. À semer en automne. Ah, je sens que je vais faire un intérêt stratégique. Elle est belle la table. Elle coûte cher, mais elle est belle. Non, mais quand je serai pété de thunes, je vais faire ma Valérie d'Amido, vous avez pas idée. Dans ce jeu, à nouveau, là, je vais... Ah. Bon, allez, j'ai acheté la graine rare. À semer en automne, ce sera la saison prochaine. Je ne serai pas perdu. Je vous le dis.
J'ai presque l'impression de faire la voix terrible du mec qui était animateur sur Skyrock quand j'étais ado, donc il y a 30 ans de ça. Maurice. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont connu Maurice? C'était tard hein, le soir sur Skyrock, c'était 22h passées. Et il recevait toujours les auditeurs en disant « Qui va là, je te prie ?» Avec une voix assez... trop pleine de testostérone. J'ai été marié il y a longtemps, nous dit Sorcier. Après notre séparation, ma femme a commencé à voler au-dessus de la vallée, maudissant tout ce qu'elle voyait. Ah bon? C'est pas une manière très mature d'exprimer sa colère. Écoute, c'était ta femme. Tiens, échange du... Oh merde, j'ai déjà donné le cadeau. Oh merde. Bon bah au moins je t'aurais rendu visite. Ok, donc son ex-femme est partie voler au-dessus de... Bon, bref. Donc son ex est une sorcière. Tout va bien. La 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 la, Stardew Valley. Ah, quand je vous dis que c'est plus passionnant que les feux de l'amour. Bon, elle est où, Léa? Faut lui offrir du vin, hein. Faut lui offrir du jus de raisin ayant bien tourné, pour reprendre la formule d'Olivier de Kersauzon. Je lui donne raison. C'est fermé. Ben, voilà. Oui, mais elle est où, la miss? Oh. Je viens faire des cadeaux dans le village. Laissez-vous séduire. Oh, l'autre, il fait ses backflip. Cham, essaye de faire un kickflip. Oh, pardon, c'est même pas un back, c'est un kick. C'était un cuc. Tiens, oh, merde. Ah, j'ai pas de tournesol et j'ai pas... Ah, merde, j'ai pas les cadeaux qu'elles apprécient. Mais attends, rien qu'Emily, elle est là. J'ai envie d'essayer de lui offrir... Tiens, j'ai envie de lui offrir du vin. Si j'étais pas si occupé, je viendrais t'aider à la ferme. Oh, c'est trop choupinou. Maggie serait contrariée si j'avais un autre emploi. Ah oui, elle est serveuse au bar, c'est vrai. Tiens, ça te dit? Je suis désolé, Samantha, je n'aime pas ça. Merde. Bon, bah, c'est une occasion manquée. J'aurais dû rester sur ma première idée qui était d'offrir du vin. Léger goût, la porte est verrouillée. Un jour on aura la clé et on va se... Hein? Bon. Voilà. On va se faire dessus, comprenez. Tiens, toi t'aimes bien les baies saumon? C'est intéressant. Bon, ok. Bon, j'ai compris, vous n'aimez pas les produits naturels, vous aimez les produits raffinés, de qualité. Bande de bourgeois! Quoi? Des jettes sous la main. Démétrius. Ah merde, c'est con. Ah bah... Oh merde, si j'avais lu la note avant. Allez, je vous offre des cadeaux. Salut Pierre, tiens, je t'offre du vin. Très gentil de ta part, ça me plaît. Bon bah voilà, je le savais. Hein. Bonne d'ivrogne, va. C'est un village d'ivrogne. Oh non, j'ose pas acheter. Je vais me ruiner. J'ose pas acheter. Oh, c'est quoi le papier peint du jour? On dirait des bulles de soda. Du soda à la myrtille. Oh! Le revêtement au sol, il est magnifique. Je l'achète. Je le trouve trop beau. Je ne résiste pas. Caroline, sa femme, elle voyait pas quelque chose? Ah non, il n'y a rien à lire, là. Oh, les aînés! J'ai oublié les retraités. Donc, tu travailles à la ferme, c'est ça? Au moins, c'est un travail honnête. Oui, tu m'étonnes que c'est un travail honnête. Tiens, du vin, mon grand. Merci. Alors, où est madame? Où est Evelyne? Où est madame Cookie? À mon avis, elle est dehors en train de faire les fleurs. Comme c'est la belle saison, la connaissant, elle est en train de jardiner dans tout le village. Wouhou! Monsieur le maire, vous êtes où? Ah merde, il est pas là. Oh. Ah! Tiens, du vin, t'aimes bien, toi? Je suis désolé, mais je déteste ça. Ok, Penny. C'est pas grave, on aura essayé. Et surtout, n'abandonne pas les gosses en chemin. Ectoplasme, non. De rouget, non. Non, aucune de vos quêtes ne m'intéresse, les gars. Ah! Oh! Ouf!
Tiens, est-ce qu'elle va aimer mon plat, la miss? Ah, c'est pour moi, merci. Oui, elle a apprécié. Elle a fait son cri de blonde. J'ai passé 3 heures à m'entraîner sur ma signature aujourd'hui. J'adore ce jeu, les répliques sont magnifiques. Excusez-moi, je me mouche. Ah, pardon, j'ai mal appuyé sur le bouton, désolé. Buck. Ah, c'en est une sacrée celle-là. Ça doit paraître un peu idiot, non? Oh, j'aurais pas dit idiot, mais je vais me taire. Qu'est-ce que tu veux? Beau gosse. Tiens, t'as... Mais non, mais non. Voilà, c'est trop cool, merci. Tiens, toi, t'aimes le vin, toi? Ah, Caroline. Oh là, elle est émerveillée. Regardez-moi ce visage radieux. Oui, c'est ça, Diana, exactement. Pardon. La trompette avec le nez qui est... Oh mon Dieu, vraiment? Oui, tu as le droit accru de la ferme. C'est une belle journée, oui, t'as vu? Quand il fera beau comme ça, j'aime bien aider Evelyne dans les jardins publics. Ah bah, c'est très bien. Elle est en bonne santé pour son âge, mais je pense qu'elle apprécie toute l'aide qu'on peut obtenir. Ouais, puis il y a le côté social. Tu m'étonnes. C'est très bon pour la santé, ça. Tiens, hop, j'ai du soda dégueulasse. Ah, ah. Oh, les livres de la bibliothèque. J'ai rien à lui donner, je crois. Il va mal me parler. Oui, il me parle mal, je veux même pas lire. C'est quoi les bouquins? Parce que j'en ai trouvé... Eh, attends, il y a combien de bouquins maintenant? Ah, il y en a 4 nouveaux, d'accord. Eh ben, on va en lire un. Le pêcheur, acte 2. Gordy, raconte-moi ta meilleure histoire de pêcheur. J'ai attrapé beaucoup de gros poissons de mon temps, dont certains sont très rares et difficiles à attraper. Mais il y en a un que j'ai eu du mal à attraper pendant 3 jours et 3 nuits. J'appelle ce poisson la légende. C'était une bête énorme. Et plus je tirais sur ma ligne, plus il tirait fort de son côté. J'ai baissé ma garde pendant un bref instant et il a cassé mon bateau en deux. Je n'ai jamais pu pêcher depuis. Crois-tu que quelqu'un l'attrapera un jour? Si cette personne maîtrise la pêche, qu'elle a déjà réussi à attraper d'autres poissons rares et qu'elle a une bonne alimentation, alors peut-être. Mais surtout, tu dois avoir du respect envers l'eau, mon fils. Mon fils? Tu veux dire que tu es... Tu es mon père? Oui, mon garçon. Oh mon Dieu. Musique dramatique, elle tombe du rideau. Et voilà, encore un qui a trop fréquenté les milieux avec eux. Fallait que je la place. Ah, oh, j'en ai marre de faire toujours les mêmes jeux de mots. Au secours. Au secours, libérez-moi. Ah, poubelle du forgeron qui est fermée à cette heure-ci. Ouais, il s'arrête à 16h. Oh, il est déjà au bar. Pochetron. Allez, un poids de senteur, c'est pas perdu. Viva Espagne. Ouais, bah je vais garder la soirée pour moi et faire de la gestion de hein. Voilà, ça par exemple. Et puis c'est pas comme si elle était pleine d'énergie, Samantha. On va peut-être en profiter. Qu'elle se dépense, voilà, l'énergie de la journée. Non, je ne suis pas un prof de Sophie Favier. La 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 la. Oui, non, non, quand il y a les seigneurs, je vais éviter de péter les arbres. Bon, on y va, plus clair. Je sens que c'est la semaine suivante qu'il va y avoir les murs sauvages à récolter à tour de bras en pleine nature sauvage. Et du coup, ça va faire des journées blindées, parce que s'il pleut pas, gérer l'arrosage, la récolte dans la ferme, plus cueillette, la journée, elle est faite, hein. La journée, elle est faite. Oh, il y a du vin. Du pain, du vin, du boucher. Inventaire plein, merde. Minute papillon. Alors, attendez. Ah ah, j'aurai 3 graines rares à planter à l'automne. Prochain. C'est bon, ça. Qu'est-ce que le pote?
Qu'est-ce qu'elle a, le pote? Oui, bête saumon, oui. Oh, merde, il faut que j'aille à la carrière ouverte, à ciel ouvert. L'essence du vide, bon, faut que j'arrête d'essayer de séduire 50 fois dans la semaine le sorcier. Voilà, ça résume bien le fond de ma pensée. Attends, ça et ça. Bonjour, Tunsen. La 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 la, réfléchissons bien. Je vais foncer à la carrière à ciel ouvert. En bas, c'est pas fini la fermentation? Non, c'est pas fini. Ok. Merde. Il a peut-être fallu que je regarde au niveau des ruches. C'est vrai que je passe souvent ici, mais le problème c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc je sais pas si mettre les ruches là aurait été pertinent. Pas convaincu. Ouais, voilà. Ah, c'était sûr qu'il y aurait des... Y a pas de cailloux, non, y a pas. Ouais, il y en a peu, donc ça va. Bon, allez. Alors, attends, je vends ça. Je vends ça. Alors, ça peut paraître débile, mais tout ce qui est cuisine, les plats préparés en cuisine, il faut surtout pas les vendre. Parce qu'on a vu que on vendait à perte. C'est malheureux, mais il faut impérativement les garder pour soi, sinon c'est vraiment une ruine... C'est une fausse bonne idée. Je suis en direct de mon ancien lycée pour les portes ouvertes. Oh là là, t'es en séquence nostalgie, Tunsen. Waouh. Eh, ça c'est beau pour l'avoir fait moi aussi, mais moi je l'avais fait pour mon BTS. De revenir lors des portes ouvertes, saluer tout le monde. Voir des anciennes connaissances. Oh, je te le souhaite, Tunsen. C'est riche en émotions. T'as bien raison. Oh, j'avais revu des camarades en couple qui étaient devenus parents. Ah, oh, c'était trop mimi. Ça, c'est des trésors de vie, c'est génial. Vivre ça, c'est trop beau. Eh ben, bonne journée à toi, Tunsen. Oh, là j'ai du beau parquet. On va changer. L'herbe va de... Eh, pas mal. Eh, c'est plus lumineux. Ça reste de la verdure, mais c'est beaucoup plus lumineux. J'aime bien. Allez, on veut de la flotte. Je vais arroser tout le temps. Non. Oui, je suis riche. Bonjour Samantha, rien de plus satisfaisant que de cuisiner avec des légumes frais de son jardin. J'ai joué une recette pour t'aider, à bientôt Caroline. La soupe de panais. Ah! Surtout que le panais est pas difficile à faire. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir appris la recette. Et merde, j'ai pas rangé les fruits! Ah, c'est pas possible, je gère mal. Je gère mal. Bon, allez, arrosage. C'est reparti pour un tour. Le plaisir de la journée, virtuellement parlant. Non, n'arrose pas la terre, hein. Bon. C'est bien, ça devient dense, le houblon. Ça, il va bientôt donner. La 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 la. Eh, attendez, je suis en train de me dire, mais celui-là, je pourrais pas faire des petits arroseurs basiques au centre. Ça arrose en haut et en bas. Et j'ai plus qu'à... Attendez, comment on fait des arroseurs de base? Parce que moi, je fais les intermédiaires. Attendez. Ça coûte combien? Fer et cuivre. Il m'en faudrait une douzaine.
Fer et cuir, fer et cuir. Et cuivre, pardon. Je suis bon au cuir. Non, je n'ai pas assez. Merde. Ah, ça aurait été pas mal. En attendant d'avoir de l'or. Ah. C'est vrai que ça se tente aussi, cette histoire de... Ah, faut miner. Il n'y a pas de secret, faut miner. Tiens, d'ailleurs, je vais faire cuire l'améthyste puisque j'ai... Puisque j'ai peau de poudre. Il y a encore à lire. Pêcheur demandé. J'ai besoin d'un beau spécimen de poisson globe. Je mène une expérience sur la toxine produite par poisson globe. 1000 balles Démétrius. Je crois que je l'avais pas acheté au marchand délirant là. Ouais, je vais garder champignon free là parce que. De toute façon, j'ai déjà la canette de soda pour me doper, alors... Qui que quoi, Nayone? Tout le cuivre qui sert à toi? À rien dans Minecraft. Non, c'est faux! Non, non, hey, j'en fais des choses artistiques, moi, du cuivre. Mais... c'est... alors... de ce que j'ai compris, de ce que Nash m'a enseigné de la future mise à jour à venir... Putain, c'est con, j'utilise pas ça. Faudrait presque que je mette les graines sauvages là. Ils vont rééquilibrer les schmilblicks. Enfin, je me comprends quand je dis ils vont rééquilibrer les schmilblicks. Il va peut-être avoir une utilité plus importante à venir le cuivre. Mais c'est plus un bloc de déco, le cuivre. D'ailleurs, je ferai peut-être du commerce avec vous, pour faire une parenthèse Minecraft. Je ferai peut-être du commerce avec vous, à vous échanger, vous me donnez tout votre cuivre, et moi je vous donne des trucs en échange de ce que j'ai moi dans mes réserves. Parce que ça ne me déplairait pas de faire un bâtiment carrément en cuivre complet. C'est un aspect particulier, mais c'est pas pour me déplaire. Ah merde, on voit que j'ai oublié d'arroser, vous voyez. Oh là 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 là. Il y a un jour, j'ai merdé l'arrosage ici, j'ai zappé. J'ai pas vu que la terre était sèche à la base. Du coup, il va y avoir un décalage de récolte. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu con. Voilà, j'ai déjà plus d'eau. Il faut que je passe les 5 de côté, là. Alors... Oh, ça y est, il y a le chien qui joue avec les pieds de... Elle me bouffe quand il fait ça. J'espère qu'il peut pas en bousiller, hein. Voilà, là c'est bon. Mais... oh, il est tout foufou. Il est tout foufou. C'est moi ou je peux déjà récolter mon foin? Ah ouais! Tranquille. Sauf que j'ai rien à replanter. C'est idiot. Nayonet, tu dis j'accepte de te donner un peu de cuivre contre de la terre. Ah bah quand on jouera ensemble à Minecraft, bah peut-être que j'y jouerai. Ah oui, mais ce soir avec le décalage de l'épisode commenté, je sais pas si on se verra, mais ouais peut-être. T'inquiète pas. Ouais ouais, on entrera en négoce. Dans Minecraft, Nayonet, grand plaisir. Les graines de blé. Alors, faisons de la bonne gestion. Faisons de la bonne gestion. Ouais, et puis j'ai le truc qui s'excite au niveau du... Merde, au niveau des quêtes, pardon. Ah! Je me fais trahir par ma manette.
Recherche aquatique. Apporter un poisson globe. Oui, bon. Livraison. Jade. Démétrius, ce sorcier veut de la jade. Alors, dernier jour. Ouais, j'en ai de la jade, mais... je sais pas, elle est bizarre, sa requête. Jade. Merde, je sais plus à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça, je crois. Voilà. Bon, bah, je vais donner ça au sorcier. Je vais aller le voir. C'est où que j'avais... Oui, c'était là. Autant replanter un peu de blé. Ah oui, un silo. Il faudra que je construise ça, moi, en hiver. Ah bah, tiens. Allez, hop. Rentabilité maximale. Alors, monsieur le sorcier, qui veut son jade? Ou sa jade, je sais plus si c'est masculin ou féminin. Merde, je suis bloqué par les arbres. Est-ce qu'il y a l'escroc de roulotte là? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il est pas là aujourd'hui. La 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 la. Allez, troisième truc donné, mais là c'est scripté pour le sorcier. On a de la thune! Bah, attends, qui c'est? Démétrius, c'est qui? Je crois que c'était le sorcier. Ah merde, non, le sorcier, c'est le sorcier. Ah, c'est le scientifique, le beau mec. Ah merde! Ah merde! Le sorcier, c'est le sorcier, il a pas vraiment de prénom. Attends, on va prendre un jour, dans une note secrète, le vrai prénom du sorcier, il s'appelle Belzébuth. Ce serait énorme. Non, c'est pas par là. Eh oh, Léa! Ah, ma merde, j'ai pas de vin, j'allais dire. J'allais distribuer du vin, mais j'en ai pas. Merde, c'est scientifique. Eh ben, on va aller voir les ruches. Wizgizgamza. Allons voir, les ruches. La 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 bande de nunuches. Ça parle mal. Allons voir les ruches. La 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 la. Ah la 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 la, c'est quoi ça? Ah la 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 la. Encore un bouquin, ouais! Voyons de la lecture dans la bibliothèque de Stardew, allez! Et y'a rien dans les ruches, bon tant pis. Ah oui, revenir ici et couper le bois. Alors, le beau mec scientifique, il est là. Salut! Rappelle-moi tes tarifs, toi? Poulailler, non, je veux pas de poulailler. Oula, c'est pas le moment. Bag d'esprit, non, je m'en fous. Ah, non, ça c'est le multijoueur. Étant un poisson. Oh putain, la vache, ouais, en même temps, il faut du. Ouais. 15 000 le cabanon. Le bois, je l'ai. Mais alors, il y a 15 000 cabanons. Ah. Ah oui, ça aussi, c'est intéressant. Ah, ouais, pas cher le silo, ouais, je pourrais le commander maintenant. Sérieux, le silo, je pourrais le commander maintenant. Oh, je le commanderai à l'automne ou à la fin de l'été, je sais pas. Putain, c'est pas cher le silo. C'est bizarre, 100 pièces d'or le silo, c'est... Ah, le puits, c'est pas mal non plus. Oh, la grange. Ah, oh, mon dieu, c'est trop bien, Stardew Valley. Bon, beau mec, là, scientifique... Merde, n'oublie pas qu'il est pas là. Wouhou. Mais il est où? Oh non, je veux pas lui courir à pied pour lui donner sa pierre de jade. Il est en cuisine, le gars? Non. Pff, oh là là, Robin, tu sais pas où est ton homme? Faut que je lui donne sa pierre de jade. Sniff. Quoi? Soleil 45. Ah, c'est un meuble? C'est un tableau. Table de voyance. Non mais ça va pas. N'importe quoi. Ah, c'est pas con, calendrier. Ah! Ah ouais, le téléphone! Peut être utilisé pour vérifier les heures d'ouverture du magasin et son inventaire. Putain, je crois que je vais acheter le téléphone. Bonjour, Saul Goodman, comment que ça va? Ah, tu m'as fait rigoler, hein, de te mettre enfin, la norme. C'est pas une norme, mais de suivre le mouvement de « je suis de tel endroit ». Quand t'as dit Saul Goodman, Saul de Suisse, j'ai explosé de rire devant mon écran.
Ah là là là. Ah non mais excellent, excellent. Oh, le mobilier, non, faut pas que je vois ça, j'ai envie de tout acheter. Téléphone. Il me faut un téléphone. Je sens que stratégiquement, ça va être énorme. Bon, il est où le beau gosse? Oh, il est où son mari? Là, je lui cours après. Oh, Linus. Tiens, je vais t'offrir encore du raisin. C'est un cadeau formidable, merci. Tu peux trouver la truite arc-en-ciel dans les rivières en ce moment. Ah, ouais. Cool. Ah bah tiens, j'ai trouvé la fille. As-tu des histoires intéressantes sur l'agriculture à me raconter? J'ai surtout à mettre le grappin sur ton père et vilaine fille qui dit apparemment non. Ah, elle me tue. Elle me tue, Malo. Malo, ça va être la dernière que je vais me mettre dans la poche parce qu'elle me bouffe. Il y a une antipathie naturelle, elle me parle mal. Mais merde, mais il est où, Démétrius? Il est pas dans la mine, je pense pas qu'il aille là. Le nain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, on va lui dire bonjour. Salut le nain. C'est dangereux dans les mines. Pourquoi n'achètes-tu pas quelques articles dans mon magasin pour assurer ta sécurité? Il a la fibre artistique ce mec. Oh la vache, 600. Ouah, il y a plus gros que la bombe que j'avais tout à l'heure. La méga bombe. Tu fais sauter tout l'étage. Oh là là. En même temps, c'est intéressant. Ça, il faut que je l'essaye un jour de pluie. Quand je sais que je vais rester toute la journée dans la mine, je prends ça et... Je pourrais me la fabriquer du coup, mais il faut des carottes de... Cairnes de pierre, objet décoratif. Putain, même lui, ils vendent des trucs de mobilier. Oh, il y a du mobilier, nain. Alors moi, je souffre du nez, ce Goodman. C'est pour ça que vous voyez pas ma tronche. J'ai pas mis la webcam. Parce que j'ai... Voilà, j'ai artificiellement coincé ma narine... pour pas avoir l'air qui rentre dedans et que ça me meule. J'en suis arrivé à ce stade malheureux. Je crois qu'il est rentré chez lui, Démétrius, ça me bouffe. Est-ce que... Non. Alors, tant que je suis là, je vais ranger les fruits. Voilà. Allez, zou. Oh, qu'est-ce que je fais? Arrêt de bus et je reviens dans le... Putain, c'est débile. Je refais un tour à la noix... Bah tiens, je vais poser mon téléphone et puis je vais aller revoir si Démétrius est rentré chez lui. Je vais mettre le téléphone là. Oh, trop bien! Oh, plus tard, j'utiliserai le téléphone, mais ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Voilà 2000 pièces d'or bien investies. Oui, c'est bien le chien, il garde la grotte. Merveilleux. Non, c'est vrai que c'est terrible, j'ai une narine qui est en feu, c'est épouvantable. Ah, il faut que je fasse mon bûcheron. Bon, Démétrius, il me les brise là avec son histoire de quête de pierre de jade. À défaut du poisson globe. Dis-moi qu'il est dans son labo. Putain, mais il est pas là. Même Robin, elle s'est barrée. Mais vous êtes où? Au secours. Ils vont me rendre ma boule. Oh là 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 là. Démétrius, t'es où? Bon, moi je vais aller couper les arbres. Faut que j'entretienne à côté. On va faire la partie inférieure à l'aller et hop, la partie supérieure au retour. Bah, le nez bouché, c'est pas le plus embêtant, si tu veux, c'est que j'ai une douleur vive. C'est vraiment sinus, c'est vraiment au fin fond du nez. Et à tel point que je me demandais si hier j'ai pas eu le malheur de respirer un corps étranger. Je sais pas, un débris, je sais pas quoi, un insecte qui s'est logé au fond de mon nez. Alors le pire serait que ça s'infecte. Mais j'ai bon espoir que je soigne l'incendie. Là je suis moins souffrant qu'hier soir déjà. Mais. Ah ouais, non, mais j'ai passé une nuit pas cool quoi. C'est coupé en deux avec la douleur au niveau du sinus, c'est horrible. T'as l'impression qu'on t'a... Enfin bref, que le nerf est à vif. C'est épouvantable. Au fond de la narine, c'est un cauchemar. Mais je vous rassure, ça va mieux là. Je me suis prodigué des soins ce matin au lever. Et ça fait effet. À
Avec un peu de chance, sorti de la pause déjeuner, je... Vous verrez ma tronche l'après-midi. Je pourrais remettre la webcam. Bon, Démétrius, fais pas suer. Dis-moi que t'es chez toi, cette heure-ci. Ah, il y a la miss qui fait son... Non ! C'est difficile de vraiment se rendre compte de la taille de l'univers. Oui, bon, voilà, dis toujours la même chose. Mais bah, tiens, allez hop, la jade est pour toi. C'est un cadeau génial, merci. Eh bah, au moins, j'ai fait plaisir à la fille. Allez hop. Tant pis pour monsieur, il avait qu'à être disponible chez lui. Nah. Ah, attends. C'est vrai que les chaînes... Oh. Ouais. En même temps, je peux pas en planter 50 000 des chaînes, mais... Qu'est-ce que je fais? Je mets... Ouais, tu me diras, on pourra passer. Si après je mets des seigneurs sur les chaînes, c'est génial. Alors, attendez. Ça fermente. Ouais. Bon, là, j'ai plus rien à faire. Ça, j'en veux pas. Voilà. Tac, ça, c'est fait. Alors, gestion intelligente de l'exploitation agricole. qu'est-ce qu'il y a une chme... Ouais, j'ai plus rien à faire cuire, là. Oh, l'épée, faut que je la range ailleurs. Je vais rien faire de ça. Je peux recycler le déchet. Pardon. Oui, c'est dommage, j'ai qu'une résine de chêne. Ouais, en plus c'est une quête de la maison communautaire. Oh, je suis désolé, mais il faut que je me remouche bis repetita. C'est comment déjà ça? Ah oui, il faut des piles. Ouais, mais il n'y a pas eu d'orage là, je crois pas. Il fait trop sec. Attendez, pardon, je vais me moucher et je réfléchis à l'artisanat. C'est magnifique le chant des oiseaux et des grillons. Trop bien fait. Ah, oh, je me refais des fer or quartz. Fer or et quartz. Ouais, je peux m'en faire deux. C'est pas perdu. Oh là là, le cuivre, j'ai cuivre, je vais pas faire. Ouais, 7 les deux, ouais. Oh. Ouais, bah je vais avoir le temps de planter les. Ces arroseurs automatiques là. Même ici d'ailleurs. Ah ouais, non, mais non. Ouais, non, la rentabilité est discutable parce que je perds une case. J'ai encore largement de l'espace, alors autant... Ah. Hop. Lui, il me flingue la vue et ça marche pas. Ah, désolé pour les papillons. Mais ouais, non, mais là il me prenait la vue, là je vois plus ce que je fais, donc et j'aimerais être sous l'effet protecteur de l'épouvantail. Hop là, comme ça au petit matin. Je n'ai plus... Ah si, je les ai. Très bien.
Rentabilité, on va faire du blé. C'est ça qu'on veut dans le jeu, se faire du blé. Merde, il fait déjà trop tard. Ah oui, je vais ranger l'épée. J'ai bien fait de la prendre sur moi. Oh, cueillette. Oh, totem de pluie. Ah, c'est trop bien. Je peux invoquer la pluie comme les Indiens d'Amérique. Avec la danse de la pluie. Kit de cuisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ça m'intrigue. Ouais, le pot de miel symbolique. Finalement, je disais qu'on va faire un double épisode, mais il va être déjà midi, temps réel. Donc je vais peut-être déjeuner avant, je sais pas, on va voir. Bonjour, c'est René Sauce. Oui, alors c'est quoi le plat du... Ça, voilà. Ah, carpe surprise. Un tas de carpes, pas plus savoir quoi en faire, comme je vous comprends. Eh bien, j'ai élaboré une excellente solution, ce problème très courant. Je l'appelle la carpe surprise. Assez facile à faire, mais vous aurez besoin de beaucoup de carpes. Ok, j'ai appris au moins un truc. La semaine suivante, dis-moi qu'il pleut. Non, mais il pleut jamais. Mais ça fait peur. C'est le réchauffement climatique. C'est horrible. Oh, un caillou. Ok. Ok, ok. Mais je suis sûr que le totem de pluie, ça vaut trop cher. Attends voir que je regarde, je suis trop curieux. Je peux pas m'empêcher de voir ce que vaut le totem de pluie. Ah, c'est ça. Ouf. Ah ouais. Oh, ha, ha, ha. Oui, bien sûr, de l'huile de truffe. Le truc ultra raffiné qui doit être super chiant à obtenir. 5 goudrons de pain. Non mais... Oh. Alors, il faut que je cultive à mort le goudron de pain. Vous voyez, j'ai bien fait de le conserver, le goudron de pain. On s'en est pas vraiment servi jusqu'alors, mais ça va servir. Oh, Momoka, c'est adorable. Bonjour Momoka, j'espère que ça va bien, que ton direct s'est bien passé. Merci d'avoir pensé à moi pour les chaînes. Alors, je présume que tu vas te précipiter au miam pour le déjeuner. Merci Momoka. Oh là là. Mais oui, bonjour Momoka, merci. Je sais pas si tu connais Sugunman, si tu connais Momoka. Bah ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Bon, à part que j'ai le nez qui me fait bobo, c'est pour ça que je mets pas ma tronche, mais... Attends que je te mette en lumière, Momoka. Ah... Alors, je suppose, hein, je sais pas si tu suis déjà Momoka sous Goodman, mais ouais, tu connais, ouais, voilà. Ce que je me dis, c'est un canal te connaissant qui te plairait. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Je ne savais plus. Je me disais aussi que tu avais changé de visage. Ouais, c'est la photo quand je faisais mon foufou à 20 ans. Quand je faisais mon punk, les cheveux colorés en rouge. Et ça correspond en fait à mon avatar dans Minecraft. C'est moi à 20 ans. Voilà, sonne les midi. Bah, bonne popote à tout le monde, bonne app si vous passez déjà à table. Merci encore pour ce relais de chaîne et merci à vous d'être là. Je continue mon Stardew Valley de folie. Oui, merci, c'est adorable. Merci, Momoka. A plus. Zubi. Oh, un goujon. Bien joué. Ah, si j'en ai le temps la semaine prochaine, il faut que je rajoute des sons. J'ai pas mal d'âneries à programmer sur ma chaîne. Mais je pense que c'est des sons que j'ai surtout liés à des émoticônes.
Vous risquez d'avoir des surprises en balançant spontanément des émoticônes dans le chat. J'ai des idées. Hop là. Excellent ce Goodman. Excellent. Oh, tu me fais penser, il faut que j'écrive à Lissette. C'est terrible, hein, mais elle doit être débordée parce qu'elle a renoncé à l'idée de diffuser. Tu me corrigeras si je dis des sottises, Saul, mais sacré Alicette. Enfin, j'espère qu'elle va bien. La 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 la. Alors. Oui, je pense qu'elle est débordée par le taf. Ouais. Mais dans la semaine, je me vois lui écrire. Donc si de ton côté, t'en prends pas l'initiative, je te passerai le mot. T'en fais pas, Saul. Mais non, mais la pauvre, je suis sûr qu'elle est débordée, la connaissant. Et c'est dommage parce que... Encore merci à toi de me l'avoir fait découvrir parce que ouais, elle est adorable. Et puis elle est douée pour pas mal de choses. Ah, on embrasse Alicette. Carrière, allez où? Oh là là, cette routine de fou. Bon, je vais peut-être... Oh! Il y a du raisin sauvage. Alors ça, pour une cueillette, wow. Oh, x2 en plus. Mais il est de qualité basique. Bon, je vais le laisser ici pour en faire du... Pour en faire du pilou. Non, pour en faire de la gelée, de la marmelade. This is marmalade. Ça changera un peu. Ouais. Oh, si j'allais à la mine. Mais j'ai pas vidé mon inventaire. Ah, que j'ai pas vidé mon inventaire, c'est pas très malin. Mais ouais, si je pouvais miner, là, ce serait pas mal. Ce serait apprécié, comme on dit. Alors, rangez-moi tout ça. Ouais, ouais, tant pis, je vais les ranger là en attendant les morilles. Ouais, le soda est pas perdu. Je range mon arrosoir là. Je vais gagner de la place. Arrosoir dans le coffre de saison. Arrosoir dans le coffre de saison. Faut surtout pas que j'oublie. L'arrosoir est dans le coffre de saison. La, 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 la. Allez, on prend du risque parce que j'ai la pleine santé. Parce que j'ai la pleine santé. Ah bah. Oh, j'essaie d'atteindre le niveau inférieur. Allez. Soyons fous. Oh merde! Ça sent pas bon par contre. Oh, le salopard, il est dangereux, lui. Vache. Merde, Doom.
Ah, il est en train de me démonter, lui. Le gélatineux de mes deux, là. Ben, je me disais bien que c'était pas un rocher normal. Alors ça, c'est cool. Oh, du diamant. Hop là, allez, je me barre. Oh, magnifique. Oh, merveilleux. Oh, j'ai même pas assez de l'écran pour tout afficher ce que je viens de récolter en une seule fois. Du diamant. Ah, mon précieux. Oh là, il y a de l'or là. Et oh, alors il y a un vilain, mais il y a de l'or. Attends, deux pages avant combat. Deux pages avant combat. Parce que ouais, s'il essaie de me patater lui... Oh non, une... Oh là là, je suis condamné au combat. Allez, vilaine bête. Venez m'affronter en horde. Ça va. Alors là, j'aurais une bombe que ça vaudra encore le coup. Je la placerai là où je suis, ou un peu plus haut, et bam. Oh putain, mais il y en a combien? Ça y est, ça se calme. Merci. Alors, tac. Alors, je pète les cailloux, et à mon avis, je vais boire le soda. Oh, un joli rubis. Un joli rubis. Oh merde, chauve-souris individuelle. Il n'y a pas des pierres qui valent vraiment une grosse qualité là. Allez hop, ça libère une case d'inventaire. Vas-y, glou 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 glou, deux pages. Oh merde, j'ai déjà plus place. Dis-moi que je peux manger ça. Eh ben mange ça, tant pis. C'est dégueulasse, mais ça libère une case. Là-bas, il y a des choses intéressantes. Ah, il y a de l'or. Ah, je refuse pas l'or. Je ne peux pas refuser l'or. Ouais, il y a peut-être un truc. Ah, bah, il y avait de l'or. Non, je vais snobber Monsieur Gélatine et je vais me barrer au sous-sol suivant. Alors lui, par contre, il va manquer qu'il n'ait. Ouais, j'ai plus de place. Ah, merdoum. J'ai déjà plus de place, c'est le drame. Le mélange de graines, tant pis, mais je le jette. La sève aussi, oh, c'est trop commun. Surtout dans la mine, je veux dire, c'est pas le truc le plus... Hein. Stratégiquement parlant. C'est vrai que je commence à avoir grave faim, moi. Ah, il faut que je gère au niveau des dates de péremption mon miam. Je sais plus ce que je dois manger ce midi, je sais plus. Je suis pas le douche. Oh, je sais comment je vais faire ma salade. Oh merde, j'ai failli ne... Eh, l'ennemi a pas bougé. Il m'aurait eu en beauté parce que je l'ai pas repéré. Oh, attention à la santé de la miss. Ah oui, du diamant. Ah non, c'est de l'almarie. Oh, c'est fou ça. J'ai pas une bombe. Oh merde. Ah là, là, j'aurais adoré avoir une bombe. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Oh, je me précipite au sous-sol suivant. Je sais pas s'il y a... Les rochers différents, s'il y a... Je sais pas comment ça marche. Quel type de rocher est susceptible de me donner quoi? Je sais pas. Attends, faut que je mange des trucs, là, ça va pas, mon histoire. Oh, il y a beaucoup d'or.
Ma fortune est faite. Bon app, Sol. Merci du soutien. C'est adorable. Zoubi to play. Oh, merveilleux, le rêve. Ah oui. C'est autant d'arrosage automatique. Ah, oh merde. Ah, lui, il va me pourrir la vie. Encore? Oh là là. Incroyable. Oh non, chauve-souris de mes deux. Putain, je la connais pas cette musique. Pipeau léger là. Ah, fait bobo. Putain, mais il y a plein d'or ici. C'est mon sous-sol 98, faut retenir. Il y a potentiellement, il y a énormément d'or. Oh, les arroseurs automatiques. Oh, je les vois. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Ah ouais. Oh merde. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragon de Lorraine. Pardon, j'ai plus de voix. Bonjour Dragon. Ah, c'est abominable. Alors... sous-sol suivant. Oh, si seulement je pouvais atteindre l'autre. Faut que j'évite de rester dans la mine à minuit, moi. Oh, si je pouvais valider le centième sous-sol, ce serait énorme. Oh, ça m'a l'air d'être en spirale. Ce niveau de la moitié. Oh, écoute, bah je suis pas très frais, mon pauvre dragon. Sinus qui brûle. Là, tu vois, du coup, c'est la gorge. Enfin, bref. Mais je vais me prodiguer encore des soins entre midi et deux. Et je remettrai la webcam. C'est à pas. Bon, moi, tant pis, je vais faire gicler la note secrète parce que. Oh, trop bien. Merde. Ah! Chic. Attends, là, faut que j'avance. On avance. Ah oui, il va être minuit. Allez, tant pis, je sais pas. Je reviendrai. Oh! Oh! Mon dieu! Elle a mangé un truc étoilé végétal et. Vous avez trouvé un fruit étoilé. C'est étrange, mais le goût vous rappelle céréales. Votre niveau d'énergie maximum a augmenté. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu! Vite, faut que je rentre me coucher. C'est énorme. Ah oui, oula, j'ai retrouvé mon énergie mais pas ma santé. Ouais, c'est déjà ça. Oh, encore un bonus. Niveau 8, extraction minière, compétence de pioche plus 1. Et la méga bombe.
mon avis, je la fabriquerai jamais. Je ferai en sorte de l'avoir gratos, mais... Voilà, on est le lundi, donc je continue pas. On a fait une semaine. Bon, je vais m'arrêter là pour Stardew Valley, puis je vais aller manger en vrai. Et... Putain, mais il pleut jamais en été, c'est pas possible. L'astuce, c'est quoi? Le poisson ne se trouve à trépeler au bon moment. Alors, on verra ça plus tard. Oh, l'inventaire de fou. Oh, trop bien! 41 d'or. Oh, trop bien! Oh là là, magnifique, merveilleux. Qu'est-ce que je fais? Je fais le vote ou pas le vote? Oh, vous connaissant, je vais vous mettre les clips à gogo. Pardon, j'ai la flemme de programmer le système de vote.